Je ne voulais pas faire paraître trop. Non, parce que ça peut se comprendre. C'est qu'ils avaient l'œil. Hein, parce qu'il dit l'espionne est l'espionne. Hein. C'est bien qu'un matin. Le dernier contact que j'ai eu, c'était là pas loin. Il m'envoie pour voir s'il y a un pont qui était sauté. Le pilote. Le pont était sauté. J'arrive dans le carrefour, une jeep, un banc qui arrive, quatre officiers là-dedans. Je suis les nerfs, hein, parce que ça canardait. Je voyais les obus éclater là sur pour vous les inventer là, partout, pas loin là-haut. Ils m'ont menacé. Qu'est-ce que je faisais là 5h30? J'avais la tête pleine de terre. J'avais couché en tranché. Bon ben quand on voit ça, on se demande qu'est-ce qu'on va faire là. Donc, voilà, bien sûr, quand la voiture est partie, j'ai pris les champs. Parce qu'il ne reste pas sur la route, c'est jamais tout. Oui. Et puis qu'il m'avance. Ah là. Moi, bon, j'ai le jour tout là. C'est vrai. Oh, oui. Vous avez failli pas me revoir, hein. S'il m'avait rendu dans la bagnole, il fallait plus loin. Oui. Ah. Et des jeunes pour une trentaine d'années. Hein. Et puis, des Alsaciens, je... Et ça me reste, hein. Ah, ben, pas m'empêcher d'en causer. Des gens parce qu'ils ne l'ont pas connu. Et les époux dans ça. La même chose. Ah ben oui, ben la pensée. Mais les jeunes, avec eux, c'est pareil. Qui sait qui, avec tout ce qui se passe maintenant. Vous voyez que c'est ça qu'ils ont arrêté. Puis c'est peut-être pire. À ce âge-là, on a peur de rien. Mon père me disait toujours, fais attention, j'ai fait la guerre. Ne va pas trop près d'eux, parce que je méfie de ces clients-là. Bon, tu dis ce que tu veux, bon, je vais te bon. Et puis j'ai eu de la chance de m'en tirer. Ah, lâche. Parce que là, en 40, à la débarque, j'ai connu, là, si vous aviez vu la route, là, il y avait un régiment qui partait depuis la route de Cordon. C'était plein de militaires, là. Ils avaient piqué les gars de Toul ou des routes. Des camions, des motos. C'est là que j'ai récupéré un vélo, il n'y avait plus qu'une route. J'ai dit, moi qui n'ai pas de vélo, oh ben il n'y a plus qu'une route, tant pis, j'ai entouré d'une autre. Mais alors, le champ dessus, là, auprès de l'école, là, ils ont mis les gars là-dedans, à camper. Mais le soir, il y en a qui sont coulés à travers les champs, ils sont morts. Donc ils en ont là pour que les gens qui avaient des vaches leur donnent du lait, tout ça. C'est bien qu'un autre, quand vous le résistez, mais ils se sont fait blaguer. Il y en avait qui ne voulaient pas se soumettre. Hein. Là. Il y en avait de la troupe, là, en 40. C'est poussif, vous savez. Hein, il y a des drôles de trucs qui s'est passé là. Ah oui. Et vous avez vu tout le matériel le long de la route. Et les gars avaient balancé. Bon, il fallait bien qu'ils balancent tout, ils ne voulaient plus garder. Des vaches à gorge, il y en avait en montant la côte. Ça était plein, là-bas. Ah. En 40, c'était un drôle de passage. C'était fini, là. Quand ils ont passé quand, c'était fini. C'est comme en 44, quand ils sont passés là, c'était fini. Ben oui. Quand ils ont passé le Montpinçon, vous pensez qu'ils l'ont mis combien? 11 jours pour venir. Le Cacourdet, il est, ou 7 jours, j'en sais rien, il était au Montpinçon vers le 10 ou le 11, ça en fait 17 à Cacourdet. Ça cognait là, hein. Oui, oui. Il, aussi, il était pris de droite, quoi. Et on contournait le Montpinçon, puis ils l'ont pris par là, sur la Suisse normande. Et puis, bah, et, parce que sur les hauteurs, à Saint-Pierre-la-Vieille, il y a des combats de chars, sur le plateau, là. Oh, parce qu'il y en avait dans les champs. Là, ça a cogné, hein, je vous le dis. Et là, après, c'était fini. Enfin, passé le bras, il y avait un dépôt de mission là-haut. Tu avais vu le trafic qui se passait, le camion. Hein. C'est pourri de boches là-dedans, qui chargeaient en jour et qui partaient le soir, au fond, à la tombée de la nuit. Et bon, matin, qu'un jour, on est parti, puis j'ai été libéré pour la deuxième DB. D'accord. Auprès d'Argentan. D'Argentan, avant d'Arlon, dans la forêt des coups, là-bas.
Alors, c'est des Bretons qui sont arrivés dans la chambre. Vous croyez c'était des Américains, mais ils m'ont parlé comme nous, mais ils dit on est comme vous. On est parti de Bretagne en Angleterre. Et, oh ben dit merde, on vient pour qu'ils nous parlaient comme ça. Alors il y avait un Boche qui était caché avec nous. Non, un Boche en Tchécoslovaque. Il y avait une balle qui avait renflé la crosse, et le pauvre gars, oh, il était blanc comme une assiette. Et il dit, bon ben, il voulait plus se battre, c'était fini. Bon ben, les gars disent, il faut venir chercher, vous pouvez le garder avec nous, on n'a pas besoin de ça. Il dit, bon, c'est possible de faire. Eh ben, ils l'ont emmené. Donc, ils ont pris le gars, ils sont emmenés avec eux. Une mitraillette, le pistolet à l'autre, mais vigoureux pour le massacrer. Il est là, il n'a plus rien pour se défendre. Déshabitué, si un chou c'est un SS, sinon le flingue. Oh, ils sont gonflés. Hein. Non, c'était chaud. Oh là là, ils ne faisaient pas de cadeau. Hein. Mmh. C'est vrai qu'eux ne les en faisaient pas non plus. Hein. Bah voilà. Mais ils ne faisaient pas de gars, ça. C'est bien si on n'avait pas de la belle dépousillée, le gars. Il peut dire, oui, j'en sauve la vie. Moi, je suis un des derniers témoins à avoir vu leur proche qui est tombé sur le sol. Eh bien, on est deux témoins. Eh bien, voilà, tiens, ben, il y a toi. Et puis ton père, il n'est plus là. Connu? Ben, c'était pas trop sûr, et puis c'est tout. Bon, on se voit plus beaucoup. Eh ben non, tu marches plus beaucoup, puis moi non plus. J'ai lisé, j'ai raconté tout ça. Parce que t'étais comme moi, on y a... Lui, il était, son parachute ne s'est pas ouvert. Il est resté, il s'est mis en torche. On l'a vu sortir de l'avion, Et puis mon père était pas bien loin. Il est arrivé et le sang lui sortait par les oreilles. Et puis par la bouche. C'était là-bas, hein. Oui. On l'a vu, hein, ce gars. Ah ben, ton père était le premier. Mon père est arrivé. Il allait assez bête, et le bataille, il l'a trouvé. Oui. Eh ben, il a vu tomber. Il était mort. Ben, ça se trouve, ce que j'ai dit, il était blessé dans l'avion. C'était mon père qui est arrivé le premier. D'accord. Et qui a inhumé, ils l'ont inhumé au milieu de son avion.